Check it out. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, à chaque sortie de nouvelle collection de la marque Nail by Kha, je vous fais une vidéo revue swatch pour vous montrer du coup en quoi vont consister ces petites nouveautés. Donc cette nouvelle collection s'appelle Delicious Candy, qui est donc du coup la nouvelle collection de pack de Nail by Kha. Cette nouvelle collection est composée de 12 VSP au total, mais vous avez 7 vernis semi-permanents classiques. Donc comme vous le verrez après, ce sont des couleurs classiques. Et on va avoir 5 vernis semi-permanents différents, mais ça va être un effet un peu glitter à l'intérieur, mais des glitters blancs, un peu comme un bonbon en fait, tout simplement. De toute façon, vous le verrez dans les close-up. Donc ce sont vraiment des vernis à effet, donc ce sont des semi-permanents mais pas classiques. Et on aura également 8 nouvelles paillettes, mais cette fois-ci ce sont des paillettes effet sucre slash pixel. Et genre cette collection, les gars, je vous avais dit la dernière fois, la collection de printemps, la Blossom collection, faisait partie de mes collections préférées. Je peux vous dire que celle-là aussi, en fait, à partir du moment où on arrive dans les couleurs de printemps, d'été, et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et là c'est vraiment des nouvelles couleurs qu'il n'y avait pas du tout dans la basique collection, et franchement elles sont incroyablement belles. Là sincèrement, je ne peux pas vous dire qu'il y en a une que je déteste. Déjà d'entrée, au moins vous le savez, j'aime tout. Je peux pas vous dire ce que je préfère parce que je les aime vraiment toutes, que ce soit les 7 vernis normaux, les 5 candy ou les 8 paillettes, j'aime vraiment tout, sachant que tout s'accorde entre eux, que ce soit les 5 candy, enfin si vous prenez un vernis candy avec les vernis classiques ou les paillettes, tout va s'accorder vraiment entre eux. Vous avez vraiment matière à faire une pose trop canon avec du coup ces différents types de vernis et paillettes. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur ma main ici, je vous mettrai en photo. Et dans cette photo là du coup, j'ai utilisé la couleur Powder Mint, le VSP Candy Fresh Garden, et j'ai utilisé du coup les paillettes pistachio en effet sucre, et vous pouvez les utiliser du coup en effet pixel, et c'est juste incroyablement beau. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder par la présentation de cette nouvelle collection. Alors cette fois-ci il n'y a pas de box, donc cette nouvelle collection sera sur le site. Il n'y a pas de box avec la full collection ou non. Cette fois-ci vous pourrez vraiment tout acheter, soit à l'unité, soit tout vraiment comme vous voulez, et le code promo déjà s'applique sur toute cette nouvelle collection sans problème, parce que de toute façon il n'y a pas de box. Donc je vais commencer par vous présenter les 7 vernis classiques qui sont juste pépites, et vous verrez dans les close-up bien évidemment du coup les textures, les couleurs, etc. C'est parti. Le banana, c'est vraiment un jaune, voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment un jaune pastel banana. Encore une fois, comme vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais tous les vernis Nail by Kha sont hyper pigmenté, en une seule couche vous avez vraiment une full opacité, la texture est hyper crémeuse, c'est vraiment le type de VSP moi que j'apprécie, et ils sont tellement bien crémeux que c'est pas pâteux, mais c'est tellement facile de faire des dégradés avec ça et des baby colors, etc., que franchement, enfin ma passion. Donc là on a le banana qui est un super beau jaune pastel. On continue avec la couleur cream, qui pour le coup ressemble un petit peu au Treasure de la collection basique, mais il y a vraiment un sous-ton différent, ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment une couleur crème en fait, une couleur un peu lait concentré à sous-ton vraiment jaune. J'aime beaucoup cette couleur aussi, franchement les nudes comme ça, un effet fait hyper naturel sur les ongles. Moi je vois bien cette couleur sur des ongles très courts avec une belle manucure. Le cream il est vraiment incroyable aussi. De toute façon je vais dire qu'ils sont tous incroyables, préparez-vous déjà d'avance. Ensuite on continue avec la couleur Powder Mint, qui est la couleur que je porte sur mes ongles et que je vous ai montré en photo, et ça c'est vraiment un vrai mint. Je vous rassure, il n'a strictement rien à voir avec le minty qui existe déjà dans la collection basique. C'est vraiment un mint hyper doux, hyper pastel. Voilà, le mint incroyable, de toute façon vous l'aurez vu dans le close-up et dans la photo. On continue avec la couleur Lilac, qui pour le coup est un lilas très pâle. Là pour le coup on est vraiment sur un lilas mais qui s'approche vers le blanc en fait, et ça je n'avais pas du tout de couleur lilas aussi claire que ça, ce qui fait que pour l'été, si on veut pas forcément mettre de blanc mais qu'on veut quand même une couleur qui se rapproche du blanc, mais ces couleurs-ci en fait à sous-ton, ces couleurs très claires à sous-ton, elles sont vraiment top. Et là pour le coup je trouve ça vraiment incroyable parce que de loin en fait on dirait vraiment qu'il est blanc, sauf qu'il est vraiment lilas très pâle, et c'est juste trop beau. Ensuite on a la petite couleur Vanilla, qui comme son nom l'indique c'est une couleur vanille, et là par contre pour le coup vous êtes vraiment sur, vous voyez la glace à la vanille, la laitière, bah c'est exactement la couleur, vraiment on est sur une couleur glace à la vanille. Je peux pas mieux vous décrire, là on est vraiment sur un blanc cassé à sous-ton jaune toujours puisque c'est Vanilla, mais c'est très clair, pareil ça se rapproche un peu du blanc, et pareil cette couleur
J'aime trop. Je suis désolée les gars, mais j'aime tellement tout. Et encore, c'est pas fini. C'est pas fini. On continue avec l'avant-dernière couleur classique, qui est la baby blue. Et pareil, je vais vous mettre en close-up une pose que j'avais fait, parce que, comme vous le savez, cette collection, je l'ai reçue il y a un petit moment déjà, mais je pouvais pas vous le dire, bien évidemment. Mais j'ai déjà réalisé une pose sur ma maman, du coup, avec cette couleur-ci, qui, elle l'a adorée. Franchement, elle a eu un coup de cœur pour le baby blue, alors qu'elle avait toutes les couleurs que je viens de vous montrer à disposition. Et elle a eu un crush énorme sur le baby blue. Et le baby blue, comme son nom l'indique, c'est vraiment un bleu bébé, un bleu ciel, mais tellement pastel, tellement doux. Il est, franchement, je peux pas vous dire, toutes les couleurs sont tellement douces, elles sont incroyables. Donc de toute façon, vous verrez dans la photo et dans les close-up le baby blue, grave grave beau aussi. Et on termine du coup dans la gamme des 7 VSP classiques, la couleur Dusty Pink, qui est du coup, comme je vous le disais, un peu comme le lilas, mais du coup c'est un rose. Comme je vous avais dit pour le lilas, c'était vraiment un lilas très très clair qui se rapproche du blanc, et ben là du coup c'est un rose très très clair qui se rapproche du blanc. Et franchement, j'aime trop ça sur les pieds pour cet été bien bronzé, incroyable. Pareil en pose pour les personnes qui veulent des ongles nude, très doux, tout ça, vous allez adorer. Franchement, si vous aimez les couleurs douces, les couleurs un peu bonbons, tout ça, vous allez vraiment adorer cette collection. Du coup, maintenant, on va passer aux 5 VSP de la gamme Candy. Et là, les gars, franchement, moi personnellement, j'adore. C'est vraiment des VSP qui sortent de l'ordinaire et c'est des VSP qui sont super à la mode en ce moment. J'ai déjà vu quelques nail art passer encore une fois chez les Russes avec ce type de VSP là. Et je suis tellement contente qu'elle les ait sortis parce que c'est vraiment la deux saisons collection Delicious Candy avec des petits vernis candy. Ça va faire très pack aussi également. Donc c'est parti, je vous présente le Fresh Garden qui est également celui que j'ai juste là, que je vous ai montré dans la photo. Et en fait, ce sont donc des VSP classiques à utiliser du coup en VSP, mais à l'intérieur du coup, donc vous avez votre couleur, donc par exemple là le Fresh Garden, comme vous le voyez, il est vert, et à l'intérieur vous avez des micro particules, des micro glitters. Alors c'est pas des glitters qui vont être pailletés, réfléchissants ou quoi que ce soit, c'est vraiment des petites particules, des petits glitters blancs mat en fait. Donc le vernis est brillant, hein, bien évidemment, mais les glitters sont mat. Vous avez vraiment plusieurs tags, vous avez des micro points, des moyens, tout ça, ce qui fait vraiment une illusion en fait, petite œuf de Pâques un peu, voilà, candy tout simplement. Et je trouve ça tellement chou, ça sent vraiment de l'ordinaire, je, franchement je kiffe. Et de toute façon vous allez le voir dans les close-up encore une fois, je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette collection, vraiment tous les vernis s'assemblent entre eux. C'est pour ça que du coup sur moi j'ai le Powder Mint et j'ai mis le Fresh Garden parce que c'est quasi la même couleur, vraiment tout s'assemble, c'est ouf. Donc là on a le Fresh Garden, il est trop trop beau. Ensuite on a le Blue Sky juste là, et le Blue Sky qui s'accorde parfaitement avec le Baby Blue. Pareil, le bleu très très clair, pastel, avec les petites particules du coup blanches dedans à l'intérieur, les micro paillettes blanches mat, c'est juste trop canon. Et encore une fois, associé au baby blue, franchement vous avez des combos là les gars, incroyable. Ensuite, on a le lemon cake qui lui va s'accorder parfaitement du coup avec cream, vanilla et banana. Lui s'accorde avec les trois, franchement. Après vous pouvez les mélanger, hein, y a pas d'obligation. Mais vraiment, si vous voulez faire du ton sur ton, franchement ils s'accordent tous entre eux. Et là, le lemon cake du coup, c'est vraiment un mélange de cream et de vanilla, de banana, avec toujours ces petites particules blanches dedans, c'est juste trop beau. On dit ouais, ça fait vraiment petite tarte au citron meringuée, c'est trop chou. On continue avec l'avant-dernier qui est Orange Blossom, et qui lui va super bien aller également avec le Dusty Pink, il est vraiment trop trop beau. Là on est sur un rose un peu plus sous ton orangé, donc on va dire un genre de pêche, toujours pareil avec ces petites particules. Et on finit avec Orchid que j'aime trop trop trop, et le Orchid il va aller parfaitement bien avec le Dusty Pink et avec le lilac. Franchement là on est vraiment sur un rose très 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 pâle, mais un rose bébé, on n'est pas sur un rose pêche, on est vraiment sur un rose bébé qui tire légèrement vers le violet. Et franchement là, l'association avec le lilac ou le Dusty Pink, ça va être juste un truc de fou. Donc voilà pour les 12 VSP, et maintenant on va passer au glitter, donc les Sugar Effect. Donc comme je vous le disais, ce sont des glitters pour faire des effets sucre ou des effets pixels, ça marche également. Donc effet sucre pour les personnes qui débutent, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les petites paillettes du coup que j'ai fait ici, comme encore une fois vous avez vu sur la photo. Moi du coup j'ai utilisé sur cet ongle là la paillette pistachio cream juste là. Donc petit rappel, l'effet sucre c'est en fait de tout simplement saupoudrer ces paillettes là sur le semi permanent non catalysé. Donc en fait en le saupoudrant, les paillettes vont s'incruster dans le semi, et c'est à ce moment là que vous allez le faire catalyser du coup, et après dépoussiérer, et vous aurez du coup un effet sucre
sucre sur les ongles. Contrairement à l'effet pixel où en fait là on va catalyser le vernis 30 secondes sous la lampe et vite appliquer les paillettes du coup pendant que c'est encore chaud, à même le vernis, à même la couche collante, appuyer et frotter légèrement pour qu'elle soit incrustée et qu'il y ait encore un effet différent. De toute façon vous le verrez dans la vidéo aussi également. Donc ça c'est top parce que vous pouvez avoir vraiment deux types d'effets différents avec ces paillettes là, donc en sugar effect ou en pixel, et franchement passion. Donc là on a la pistachio cream juste là qui sont du coup des paillettes vertes comme ceci avec des petits reflets un peu bleu et rose, juste incroyable. Donc encore une fois la pistachio cream va très bien avec le powder mint et le fresh garden, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment une combinaison ici pour vous montrer que vous pouvez les assembler, c'est du ton sur ton et c'est canon. Ensuite on va voir la paillette agrume qui elle va parfaitement s'accorder avec le orange blossom et le dusty pink, ça va être un truc de fou, même la couleur banana par exemple, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser avec les couleurs qu'il y a dans cette collection, mais franchement les paillettes sont vraiment trop belles. Donc là agrume c'est vraiment des paillettes pêche orangée avec plein de reflets différents, elles sont juste incroyables. Ensuite on continue avec les paillettes Bunny's Nose qui sont des paillettes rose très pâle, rose bébé, incroyablement belles et qui vont très bien aller du coup avec le Dusty Pink et le Lilac également. Ensuite on a la couleur Peppermint qui est un mélange de mint du coup et de bleu, c'est vraiment ouais un vrai mint, un bleu à sous-ton vert qui va être parfait du coup avec le Powder Mint, qui va être parfait également avec le Baby Blue aussi ou avec toutes les couleurs que vous avez du coup chez vous, que ce soit des bleus ou des mintes, franchement elles sont trop belles et c'est des paillettes très pâles aussi, hein, très pastel, pour faire vraiment un effet candy, c'est trop beau. Ensuite on a la couleur Pacifique qui pour le coup là c'est vraiment un bleu. Voilà, on est sur un bleu pastel et c'est également ces couleurs-là que j'ai appliquées sur ces ongles-ci que je vous ai montré avec le Baby Blue. Celles-ci associées au Baby Blue, elles sont incroyables. Ensuite, on a la couleur Grappe qui sont des paillettes violettes, lilas, le lilac. Du coup, l'association des deux sont juste magnifiques. Le VSP lilac avec les paillettes Grappe en effet sucre ou en pixel, je les aime trop. On continue avec l'avant-dernière qui est la Citrus. Et la Citrus, du coup, alors sur l'étiquette, la Citrus, on dirait que c'est vert, mais c'est pas vert en fait, c'est vraiment jaune à sous-ton vert, vraiment comme, bah, comme un petit citron vert, mais c'est vraiment plus à reflet jaune, c'est pas vraiment du vert. Et celle-là avec banana, je vous explique même pas la merveille que c'est, genre pour cet été ça va être incroyable. Et on termine du coup avec la blush, qui sont du coup des paillettes roses un peu plus foncées en fait que les Bunny's Nose. Et celle-là je les ai utilisées dans la vidéo avec la couleur Flamingo de la collection printemps. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas forcément qu'avec cette collection que vous utilisez les paillettes, enfin, vous les utilisez vraiment avec ce que vous voulez, mais les associations de couleurs comme ça sont ouf. Et franchement les paillettes elles sont incroyables, que ce soit autant en effet sucre qu'en effet pixel, franchement je les valide de ouf, elles sont trop belles. Donc voilà pour cette nouvelle collection Delicious Candy qui est la nouvelle collection de pack de Nail by K. Donc comme d'habitude les nouvelles collections de Nail by K sortent le vendredi qui suit ma vidéo, donc cette nouvelle collection Delicious Candy sera disponible ce vendredi, donc le vendredi 8 avril à 18h sur le site de Nail by K. En ce qui concerne du coup le code promo, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le code promo donc s'applique sur toute cette nouvelle collection, donc vous avez toujours moins 10% avec le code BABEPAM10 que je vous affiche juste là, et du coup grâce à ce code vous avez moins 10% sur tout le site de Nail by K et également sur cette nouvelle collection. Si vous craquez pour cette nouvelle collection, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram dans vos stories, je vous riposte à chaque fois je vous le dis, mais franchement j'aime trop quand vous suivez mes petits conseils, que vous achetez les produits que je vous recommande, quand vous reproduisez mes tutos etc, ça me fait trop plaisir. Donc je vous remets mon Instagram juste là si jamais vous craquez, comme ça vous m'identifiez et je vous riposte avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour cette nouvelle collection et également à me dire bah, quelle est votre couleur préférée, que ce soit dans la collection basique ou dans la collection Candy, dans les paillettes aussi également. J'ai trop hâte de voir vos retours et quelles sont vos petites préférences. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous !